Vous regardez RTL. Stop aux échecs amoureux à répétition grâce à notre émission et c'est tout de suite en direct sur RTL. 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Musique. C'est lundi, bah oui, Jessie Garonne devient notre égérie de chaque début de semaine. Merci Jessie, j'espère que vous avez passé un bon week-end et je vous souhaite la bienvenue sur la première radio de France dont on est fait pour s'entendre, une émission dont on finit par devenir addict. Et bonne nouvelle, c'est sans danger. Ici, on consomme l'autre et on consomme la vie sans modération. Addict, nous le sommes aussi des séries télé, on en parlera vendredi et nous tenterons de comprendre ce phénomène auquel, visiblement, nous semblons tous succomber, pardon, j'allais dire consommer. Et puis jeudi, sujet plus grave, nous consacrerons notre émission à ce qui nous fait peur, c'est l'AVC, l'accident vasculaire cérébral, un rendez-vous utile pour les symptômes et pour la prévention. Mais pour l'heure, parlons d'amour. En amour, vous craquez toujours pour des personnes indisponibles, dépressives, égoïstes ou encore ayant des addictions. C'est joyeux. Quand nos relations sentimentales sont insatisfaisantes, se ressemblent et nous conduisent invariablement au chagrin, il est fort probable que l'on soit prisonnier d'un schéma répétitif. La bonne nouvelle, eh bien, c'est qu'on peut s'en libérer. Et on en parle aujourd'hui avec nos invités. Sommes-nous responsables de nos échecs amoureux ? Comment mettre fin aux histoires condamnées d'avance et sortir de ce cercle vicieux? On en parle aujourd'hui avec Frédéric Hédon. Bonjour Frédéric. Bonjour Flavie. Bienvenue sur RTL, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes médecin sexologue, vous êtes psychothérapeute de couple et auteur d'un ouvrage « Rebondir après un chagrin d'amour » aux éditions Larousse. Frédéric Hédon, on dit toujours « c'est pas possible, je tombe toujours sur les mêmes personnes ». Mais on y est peut-être un petit peu pour quelque chose, non? Quand c'est trop répétitif, on peut penser qu'effectivement, il y a une partie de nous qui agit comme un espèce de radar très sensible et qui va identifier sans le percevoir la personne qu'il nous fallait et qu'il ne nous fallait pas en même temps. Oui. On aura sûrement l'occasion d'expliquer ce que je veux dire par là. Très bien, mais quand on dit tomber amoureux, on tombe toujours sur quelqu'un qui ne nous convient pas. Il y a une façon de se déresponsabiliser aussi dans l'histoire, dans l'expression même de « je tombe toujours sur les mauvaises personnes ». Oui, mais on dit tomber amoureux de toute façon. Ça, donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a souvent intriguée dans le vocabulaire français. Oui, très bien. Mais aussi, on dit aussi ça en anglais, hein, to fall in love. Ouais, c'est vrai. Comme si tout d'un coup, boum, on se cassait la figure. Alors qu'en fait, c'est pas tout à fait ça quand même, quand non, ça se passe bien. Un sentiment en tout cas de vertige, ça c'est une évidence. Oui, ça c'est vrai. À vos côtés aujourd'hui, Saverio Tomasella. Bonjour Saverio. Bonjour Flavie. Bienvenue sur RTL, Saverio. Vous êtes psychanalyste. Alors vous êtes auteur de différents ouvrages. Les relations fusionnelles, hypersensibles, c'est le dernier chez Erol. Merci d'être avec nous, Saverio Tomasella. Est-ce que vous pensez qu'on a une part de responsabilité aujourd'hui dans notre vie amoureuse? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que nous sommes participants de ce qui nous arrive. En italien, on ne dit pas tomber amoureux, on dit s'enamourer. Oh, c'est-à-dire c'est qu'on fait quelque chose. On a un italien, là, quand même, hein, dans ce studio. On fait quelque chose pour tomber amoureux, pour être amoureux. Et effectivement, donc, on participe à ce qui se passe. C'est joli, ça, s'enamourer. S'enamourer. Voilà. Et comment on le dit? On dit innamorarsi. Oh, c'est trop joli. Vous ne pouvez pas nous faire un peu d'italien pendant l'émission? Là, on va toutes tomber raide dingue, hein, vous le savez quand même. Hein. Merci d'être avec nous, en tout cas, tous les deux. On va accueillir, si vous le voulez bien, Marie sur cette antenne. Bonjour Marie. Bonjour Flavie. Soyez la bienvenue Marie, vous habitez en Provence et si on devait résumer un petit peu vos histoires, elles sont bancales et impossibles, c'est-à-dire? Écoutez, je me suis bien débrouillée toute ma vie. J'ai rencontré mon mari, j'avais 35 ans, donc entre le début de ma vie adulte et mes 35 ans, j'ai rencontré des hommes, j'ai eu des histoires d'amour, j'ai été amoureuse, mais... Et j'allais toujours en fait vers ce qui ne pouvait pas se concrétiser par une vie de couple. Ouais. Ah, c'est super, hein. Vraiment, je suis tombée sur des gars absolument super. Ou des gars, des Russes aussi, j'en ai rencontré, c'est pas réservé qu'aux autres. Mais au fond de moi, je sais qu'en fait, il y avait toujours une impossibilité. Oui. Et je crois que je la créais. Je m'en satisfaisais et parce que c'était pas ça, c'était pas lui. Moi, mon mari, je l'attends depuis que j'ai 5 ans et je savais que je le rencontrerais un jour, mais bon, bah voilà, mais c'est très bien en un sens. Hein. J'ai vécu ma vie de patachon avant, comme ça j'étais prête à être fidèle après que je l'ai rencontré. Mais alors, qui sont ceux que vous avez rencontrés en quelques qualificatifs, ceux avec lesquels c'était impossible? Quels étaient un peu leurs profils? Ah, des types super, l'aventure, mais pas quelqu'un sur qui on peut compter, pas quelqu'un avec qui je me serais vue avoir des enfants, ou en tout cas eux ils en ont peut-être eu après dans leur vie, mais moi je voyais pas ça, je me voyais pas maman avec eux, pas quelqu'un avec qui je n'avais pas peur de la vie.
D'accord, ok. Voilà. Donc c'était quoi? C'était un homme qui voyageait? C'était un homme qui... qui était au bout du monde. Un aventurier, voilà. J'ai eu un amoureux aux Antilles, j'ai eu un musicien américain. Voilà, quoi, c'est super, hein, sur le papier, c'était rigolo. C'était l'aventure. D'accord. C'était très sympa, on aurait pu faire plein de jolis films, des jolies comédies romantiques, mais c'était pas ça. Alors, on va se retrouver, si vous le voulez bien, avec vous, Marie, dans un instant sur l'antenne d'RTL, en compagnie également de nos invités. Et puis, si comme Marie, vous souhaitez témoigner sur l'antenne, eh bien, vous composez le 3210 et puis vous serez là, comme ça, et on pourra échanger avec vous, puisqu'on parle d'amour cet après-midi. À tout de suite. Flavie Flamand. On est fait pour s'entendre. RTL. Sommes-nous quelque part vraisemblablement un petit peu responsables de nos échecs amoureux? Vous savez, cette idée que finalement, on a des amours compliqués à répétition. Pourquoi a-t-on tendance à nous tourner toujours vers le même profil de personne qui sera celle qui ne pourra pas nous rendre heureuse? Eh bien, on en parle aujourd'hui avec vous sur l'antenne d'RTL, mais également en compagnie de nos invités Frédéric Hédon et Saverio Tomasella. Marie, vous êtes toujours en ligne avec nous? Oui. Alors aujourd'hui, Marie, vous parlez avec une forme de sérénité. On sent que vous avez analysé cette période où vous aviez une tendance à vous diriger et à foncer d'ailleurs tête baissée dans des histoires avec des hommes indisponibles. On peut le dire comme ça. Hein, c'est-à-dire le meilleur profil, c'est l'homme marié. C'est pas mal aussi dans le genre. Chez vous avec sa valise. Voilà. Donc au moins, lui, je l'aurai pas sur le dos longtemps. Voilà. Mais alors, vous en parlez maintenant avec sérénité, mais à chaque fois, vous avez expliqué, vous partiez tête baissée, mais vous saviez que vous alliez souffrir, et puis pour le coup, ça a été le cas. Oui, mais pas du masochisme. Hein, non. Parce que, non, mais est-ce que vous avez souffert? Oui, ça m'est arrivé, bien sûr, mais comme vous savez que vous avez survécu à un chagrin d'amour, vous savez que vous avez survécu vivre à un autre, puis ce serait quand même dommage de se suicider alors que c'est peut-être le lendemain que vous allez rencontrer le bon. Enfin, oui, mais voilà, ça, parce que vous êtes quelqu'un d'optimiste, voilà. Enfin, sur le coup, ça fait mal quand même quand on se. Mais ça fait mal à l'orgueil. Comme c'est pas le bon, ça fait mal à l'orgueil, pas au sentiment, je crois. D'accord, ok. Enfin, c'est mon avis. Oui, non, mais j'entends. Mais qu'est-ce qui faisait que vous y alliez quand même? Parce qu'excusez-moi, mais je vous dis ça, je connais un peu le truc. Pourquoi j'y allais? Pourquoi est-ce qu'on va vers quelque chose qui nous fait du mal, où on sait de toute façon qu'on aspire à quelque chose de plutôt serein dans l'existence, et là, on sait qu'on y va et on sait que de toute façon, ça va faire mal? Alors, je pense quand même que c'est un truc que j'ai dit une fois, c'est que vous l'achetez pas. Pas visité, donc vous avez le choix après de dire je prends pas. Bah oui, mais pourquoi et on prend quand même par appétit, parce qu'il faut quand même tester, voilà, vous savez pas, c'est comme un truc que vous n'avez jamais mangé, vous savez pas si ça va être bon ou pas. On tente le coup, quoi. Mm-hmm. Voilà, un bonbon Haribo, c'est bon, c'est chimique, c'est chimique, c'est pas très bon, mais bon, on a envie d'y aller quand même. Et puis par appétit de la vie, peut-être par sensualité aussi, parce que ça, c'était des aventures, je pense, souvent très sensuelles. Mais j'ai pas été forcément très malheureuse, hein, mais c'était pas ça. Alors c'est sûr que quand je me suis pris la porte dans la figure 2-3 fois, je me suis relevée, mais j'y suis allée. Alors, pas par masochisme, pour vivre, je crois. D'accord, j'entends. Alors, il y a cette appétence pour vraiment la vie, les sentiments, Frédéric Hédon, comme si finalement on sait que c'est pas bon, mais on a tendance à y aller parce que c'est tellement difficile de résister, même ne serait-ce qu'au plaisir, aux émotions qu'une histoire procure. Et puis surtout avec quelqu'un qui n'est pas disponible. Il y a encore un truc un peu coincé là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Non, mais là, en l'occurrence. Je crois que la réflexion qui dit ce n'était pas du masochisme, elle est tout à fait réelle. De toute façon, même dans les gens qui répètent des scénarios voués à l'échec, ce n'est pas du masochisme. Bien sûr. C'est autre chose qui se joue à l'intérieur de la personne. Mais là, il y a une envie peut-être de profiter de la vie et d'avoir des aventures avec un refus de s'engager complètement. Pour pouvoir aller vers l'un, vers l'autre et profiter. Et puis à un moment, de se dire, finalement, ça ne me satisfait pas et donc je vais passer à une étape différente. Et c'est là qu'on est prêt intérieurement plus aussi disponible. À rencontrer la bonne personne. Mmh. Tant que soi-même, on n'est pas prêt. Je trouve que j'avais lu une fois une expression que j'aime beaucoup qui est les histoires d'amour, on est l'acteur principal dans cette histoire. C'est notre rôle principal. Donc là, il y avait sûrement un refus d'engagement complet. Et pour pas s'engager complètement, effectivement, si c'est un homme qui n'est pas disponible, un homme marié, elle l'a dit, madame. Oui. Voilà, ça, c'est le bon moyen. Mais Marie, en même temps, vous espériez qu'il se passe quelque chose de plus sérieux, quand même.
Oui, quand même. Parce qu'en se disant, on ne sait jamais. Cette idée du on ne sait jamais. Peut-être que cet homme marié un jour sera disponible. Peut-être que ce grand aventurier aura envie de poser ses valises. Non. D'accord. J'ai jamais attendu. Enfin, attention, je suis pas une briseuse. Enfin, j'étais pas une briseuse de couple. J'ai quand même pas mené une vie. Non, c'était pas En entamant une relation avec un homme marié, ça n'a jamais été en brûlant des cierges en me disant pour lui qu'il quitte sa femme. Je pense même que ça aurait été là la catastrophe. D'accord. Ok. Voilà. Je vais me tourner vers vous, Saverio Tomasella, parce que tout à l'heure Marie nous a expliqué. Voilà, sur le papier, c'était des belles histoires, mais c'était sur le papier. Ça fait bien. Voilà, je suis amoureuse d'un homme indisponible, d'un grand voyageur, d'un musicien américain. Il y a la différence entre le papier et la réalité, en fait. C'est là toute la difficulté. Oui, c'est la différence entre ce que nous souhaitons et ce que nous vivons dans la réalité. Mais je pense aussi qu'il y a comme une impatience à vivre la grande histoire d'amour. Et puisqu'elle n'est pas là, eh bien, je vais m'imaginer que c'est la grande histoire d'amour. Donc, sur le papier, c'est aussi la façon que j'ai de m'écrire une histoire qui va déjà me faire un peu vibrer et vivre ce que j'aimerais vivre et qui n'est pas encore là. Voilà, comme si on avait des pensées un peu prophétiques, quoi. Hein. C'est-à-dire, si je pense, peut-être que je vais pouvoir changer le cours des choses. Oui. Et puis on peut enrober, enrubaner l'histoire pour la rendre un peu plus belle. Déjà, quand on tombe amoureux, on ne voit pas les choses avec beaucoup de réalisme quand même. On a une sorte de filtre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quelquefois, on a à la fois une espèce de voix intérieure qui nous fait y croire complètement, et puis une espèce de petite voix de la raison qui nous dit « c'est pas le bon, fais gaffe !» Et bien, on y va quand même. Alors, on va vous remercier, Marie, pour votre témoignage. Et puis, on va poursuivre, nous, nos échanges sur l'antenne d'RTL. Je vous embrasse, Marie. Bonne fin de journée. Et merci. À bientôt. Au revoir. 15h, 16h. Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Sommes-nous responsables de nos échecs amoureux? Comment sortir de la spirale dans laquelle parfois on se retrouve embarqué, mais sans pour autant s'en être rendu compte? Les choses se sont écrites et puis un jour on se dit, mais c'est fou, quand je regarde dans le rétroviseur, je vais toujours vers le même profil de personnes et qui ne me rendent pas heureuse ou heureux. Alors on en parle avec vous sur l'antenne d'RTL. Il y a un instant, nous avons entendu un témoignage qui était un témoignage intéressant, celui de Marie qui nous expliquait qu'elle était systématiquement attirée par les histoires d'amour impossibles. Je vais me tourner vers vous, Saverio Tomasella et Frédéric Edon. Saverio, qu'est-ce que ça veut dire ça, cette fascination que l'on a pour celui ou celle qu'on n'aura finalement jamais? C'est quoi? C'est romanesque? Oui, je pense qu'il y a quelque chose de romanesque parce que ça rend la vie un peu pimentée, difficile. On se pose on se met des défis, on essaye de c'est comme si on essayait de résoudre un problème et on se met devant quelque chose de difficile. Un bon petit casse-tête. Voilà, exactement. Mais alors, Frédéric Edon, il n'y a pas aussi dans cette attirance que l'on a pour ces histoires-là, qui ne sont pas possibles, est-ce qu'il n'y a pas... Il y a l'idée du défi dont parlait Saverio Tomasella, mais en plus cette idée que si on y parvient, on sera l'unique à y parvenir. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Alors moi, je vais être très psy là dans ma réponse. Bah, je veux dire que quelquefois, ce qu'on fait, c'est qu'on va vers quelqu'un qui en fait correspond à quelque chose qu'on a vécu enfant et qui se passait pas bien. Reproduction. Voilà. Et donc on reproduit quelque chose qu'on voudrait corriger. On n'en est pas conscient. Si on a eu, je vais prendre un exemple, je sais pas moi, un des parents qui est parti quand on était petit, ce parent qui nous a manqué et on en a souffert, c'est quelque chose qui a été un traumatisme. On n'a pas forcément tout le temps en tête qu'on a vécu ce traumatisme, mais moins on en a conscience, plus on a des risques d'aller reproduire l'histoire, comme si on voulait la réécrire, et en la réécrivant, en la revivant avec quelqu'un d'autre à l'âge adulte, on voudrait corriger ce qui ne s'est pas bien passé. Pas de bol, c'est pas possible, c'est pas comme ça que ça marche. Tant qu'on est dans cette attente de vouloir effacer un passé qui a bel et bien existé, c'est pas ce compagnon, ce partenaire qui est le thérapeute et qui va pouvoir nous soigner. De toute façon, on va pas se soigner de quelque chose qu'on a vécu 20 ou 30 ans plus tôt. Ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à intégrer cet événement-là, et souvent on ne s'en rappelle même pas de cet événement. On se dit pas, oh là là, oui, ça n'est pas quelque chose de conscient, etc. Voilà. Et alors ces personnes-là qui font ça, c'est quand elles sont allées plusieurs fois vers une histoire qui s'est mal terminée et que chaque fois elles y croyaient. Et alors au début elles disent c'est l'autre, elles vous disent hein, j'ai pas de chance, j'ai vraiment la poisse, j'ai fait tout ce que je pouvais, et puis ça recommence. Et puis au bout d'un... Alors quelquefois c'est très évident qu'ils vont vers la mauvaise personne pour tout leur entourage. Mais on ne peut pas encore l'entendre, et pour eux, ça ne l'est pas. Et puis un jour, on finit par avoir une espèce de sentiment que quand même, peut-être, il faudrait qu'on se regarde un peu mieux dans le miroir. Voilà.
On a un message. J'étais très psy, mais c'est vrai que mais c'est intéressant et on s'y retrouve vraiment. Il y a Steph sur Facebook qui nous écrit « Le problème n'est pas seulement d'être attiré par un certain type de personnes, mais de les attirer à soi-même et d'avoir une grande difficulté à s'en défaire. » Est-ce que il y a aussi dans cette idée le fait qu'on est, on est soi-même quelque part, on aimante les personnes qui ne vont pas nous correspondre ? Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, qui ne vont pas nous correspondre, c'est possible, puisqu'il y a l'idée de la complémentarité qui fait qu'on est attiré par ce qui est différent de soi, mais aussi peut-être ce rôle d'enfant thérapeute où on a essayé d'aider un parent qui n'allait pas bien, et donc on va attirer malgré soi, vraiment là, complètement malgré soi, un type de personne qui va ressembler au père ou à la mère, et qui va sentir que nous avons les capacités de lui faire du bien. Voilà, donc cette idée que j'ai énoncée tout à l'heure en disant on est l'unique, on est la personne par laquelle le bonheur ou l'apaisement va arriver, c'est le côté un petit peu aussi Saint-Bernard, où il y a des amoureux comme ça, qui ont une sorte de tonneau autour du cou, là, qui se disent, c'est moi qui vais l'aider à s'en sortir, c'est moi qui vais l'aider à faire tout ça. On va se retrouver, si vous le voulez bien, dans un instant, parce que je vais vous lire les messages de Christelle et d'Aline. On se rend compte aussi que parfois, le bonheur, l'apaisement, la tranquillité, la sérénité, ça peut faire peur, justement. Alors, quelle est la différence ? Comme ça, est-ce qu'on peut vraiment concilier raison et amour ? On va en parler avec vous sur RTL. À tout de suite. Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Christelle nous écrit sur Facebook. Quand j'ai senti que c'était la bonne personne, je me suis sauvée. Je l'ai larguée par SMS. Ouais, classe, je sais. Parce que ce n'était pas dangereux. Parce qu'il ne pouvait rien m'arriver d'autre que du bonheur, de la stabilité, de la fidélité, de la bienveillance. Flippant tout ça quand on ne connaît pas. Et puis, quelques mois plus tard, je l'ai rappelé. Cela fait 14 ans que nous sommes ensemble. Je suis persuadée que si je ne l'avais pas rappelé, j'aurais continué dans des histoires sans lendemain. Comme quoi, on a toujours le choix de changer son destin. Et Aline qui nous écrit. Après m'être laissée persuader par mon premier amoureux que je n'étais pas intéressante, que mon physique n'était pas avantageux, j'ai enchaîné quelques histoires avec des hommes un petit peu marginaux. J'étais convaincue que je ne méritais pas mieux et je tentais de me revaloriser en les aidant. Quand j'ai rencontré le père de ma fille, il m'a fallu du temps avant d'accepter d'être désirée par quelqu'un de bien. Je le trouvais beaucoup trop bien pour moi. Je voudrais qu'on vienne sur ces deux messages qui nous sont arrivés sur la page Facebook de l'émission. Christelle de nous expliquer que le bonheur, c'est flippant, Saverio Tomasella. Mais oui, c'est flippant parce qu'on l'attend de tout son cœur, mais on ne sait pas comment on va faire, on ne sait pas si on va être à la hauteur, on ne sait pas si ça va durer, parce que si ça ne dure pas, ça va être encore pire que de ne pas l'avoir connu. Enfin oui, ça fait vraiment flipper, donc je comprends. Mais en même temps, c'est important de passer le pas. Et puis cette idée du schéma aussi, c'est-à-dire que Christelle nous explique que finalement, elle ne connaissait pas. Donc on a peut-être aussi une tendance à aller toujours, Frédéric et Edon, vers des schémas que l'on connaît, dont on a le sentiment finalement qu'on... Voilà, c'est ça. Plus rassurant, exactement. C'est pas l'inconnu. Absolument. L'inconnu peut faire très très envie, mais peut faire peur, et quelquefois c'est les deux en même temps. Mais quand même, dans les deux cas, on peut dire que ce sont des personnes qui n'ont pas suffisamment de sécurité personnelle, c'est-à-dire qui n'ont pas un amour propre, une estime de soi suffisamment bien assise pour se lancer dans quelque chose. Voilà, mais ça c'est fréquent aussi, et on s'en rend compte. Et en plus, quand je parle de cercle vicieux, c'est que plus on tombe, plus on vit des histoires compliquées, moins finalement notre assurance est renforcée. Et donc chez quelqu'un qui n'est pas très sûr de lui, qui n'a pas une suffisamment bonne image de lui ou d'elle-même, on a un sentiment qu'on est un peu comme un château de cartes. Et vous savez, par définition, un château de cartes, c'est joli, c'est beau à regarder, c'est fragile. C'est instable. Et donc, quand on n'a pas une suffisamment bonne stabilité personnelle et pas assez de confiance en soi, on a très peur de ce qui pourrait faire bouger le château de cartes et on se dit, il va peut-être tomber et comment je vais faire pour le remettre en place après. Bon, c'est une image, mais... Je comprends. Voilà. Ce qui nécessite un travail sur soi dont on parlera tout à l'heure. On va accueillir Christian sur cette antenne. Bonjour Christian. Bonjour Flavie. Bonjour monsieur le professeur. Vous n'êtes pas Bonjour. En cours, vous êtes professeur de français. Oui. Donc il n'y a pas cours en fait le lundi après-midi pour vous. Non. Puisque vous êtes avec nous. Alors comment va votre vie, Christian ? Très bien. Ah bah super, bon c'est déjà ça, c'est génial. Néanmoins, votre vie sentimentale, comment va-t-elle ? Elle est un peu en dilettante, elle a encore pris un coup là à la rentrée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ben oui, je m'étais rapproché d'une jeune femme très jolie, très sympathique, très brillante. On s'était devenu très proche l'été en échangeant des messages, des coups de fil. Et puis, il y a eu un coup dur à la rentrée. Bon, elle m'a fait comprendre que notre relation ne pourrait être qu'amicale. Ah, et ça, vous ne vous y attendiez pas ? Non, je ne m'y attendais pas du tout. D'accord. Pourtant, vous étiez en train de commencer à vivre une histoire d'amour.
Je le pense, oui, je commençais vraiment à m'attacher à elle. D'accord. Vous avez le sentiment que les choses, le schéma se reproduit régulièrement chez vous, dans votre vie? Moi, souvent, j'ai souvent eu des sentiments pour des femmes qui étaient déjà prises. Alors, comme je suis très à cheval sur un principe de ne pas courtiser une femme mariée ou une femme qui vit en couple. Oui, donc là, c'est quand même problématique. Si vous tombez amoureux que de femmes indisponibles, ça va pas vous aider, cette histoire. Non, ça va pas m'aider. Mmh. Christian, alors bon, vous avez la femme idéale au bout du fil, tout le monde le sait, mais néanmoins... La plus belle animatrice d'RTL. Mais absolument, je vous remercie. non, mais c'est quoi votre femme idéale? Elle est comment? Elle est belle, elle est douce, elle est brillante, elle est intelligente, elle est cultivée, elle est romantique, elle est classique, elle est fleur bleue. Bah dis donc, ça en fait des choses pour une seule femme. Ah. Oui. Bah oui, je sais pas. Vous l'avez déjà croisée ou pas? C'est possible. D'accord. Et si vous rencontrez quelqu'un qui ne correspond pas à ces critères-là, est-ce que le charme peut quand même opérer? Ça se peut. D'accord. Est-ce que vous avez parfois été surpris de rencontres que vous avez pu faire en vous disant c'est fou parce que cette femme-là ne correspond pas à mon idéal féminin et pourtant. Oui, ça m'est arrivé. Ah d'accord. Bah ça et ça s'est pas bien passé pour autant. C'était resté en bon terme, mais ça n'est pas allé plus loin. D'accord, ok. On va se retrouver dans un instant, si vous le voulez bien, parce qu'on va donner la parole à Frédéric Hédon et à Saverio Tomasella. Vous aimeriez bien sortir de ce schéma, Christian? En même temps, vous avez 35 ans, donc voilà. Mais vous aimeriez, à un moment donné, peut-être que les choses changent, non? Oui. Bon, très bien. Eh bien, écoutez, dans un instant, on va poursuivre nos échanges avec nos invités et peut-être qu'on va pouvoir vous éclairer un petit peu plus. À tout de suite, Christian. À tout de suite. RTL. On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand. Un message qui nous est arrivé sur notre page Facebook de la part de Aigle. J'ai été abandonnée par ma mère à l'âge de 7 ans et c'est vrai que j'ai toujours été attirée par des femmes mariées ou plus âgées que moi. Aujourd'hui, j'ai trouvé un équilibre avec une femme ayant enfin compris néanmoins. Il m'arrive quelquefois de vouloir tout recommencer, mais je me contrôle. Christian est en ligne avec nous. Christian, vous êtes toujours là? Oui, je suis toujours là. Christian, vous avez beaucoup de frères et sœurs de cœur? Oui. Et de parents de cœur aussi. Vous avez des parents de cœur puisque vous avez été adopté, vous, hein, quand vous étiez petit. Oui. Est-ce que vous pensez que, justement, ce fait et cette façon dont votre vie a commencé a un impact aujourd'hui sur la façon dont vous vivez vos histoires d'amour? Non, je ne pense pas. Pas du tout? Non. D'accord, ok. Pour vous, vous avez toujours été donc affectivement totalement sécurisé. Oui. D'accord, ok. Bon, alors en tout cas, cette femme idéale, waouh, qu'est-ce qu'elle doit être bien, la femme, pour vous plaire? Oui, c'est vrai, je suis assez exigeante, c'est vrai. Bon, alors je vais me tourner vers Saverio Tomasella et Frédéric Hédon. On a un message aussi de Morgane qui dit « Je pense qu'il y a une certaine volonté à sortir de la réalité. J'ai tendance à idéaliser mes histoires et parfois la chute est difficile. » Est-ce qu'on n'a pas tendance, moi Christian, je vous comprends aussi, hein, on a des idéaux comme ça et on a une envie de s'y raccrocher. Mais est-ce que ça n'est pas quelque part un petit peu dangereux, Saverio Tomasella? C'est la grande question, hein, parce que là, ça nous touche tous. Qui n'idéalise pas au début d'une relation amoureuse? Je pense que ça fait partie justement de ce processus de se mobiliser complètement pour se donner à l'autre, et qu'on a besoin de ça, hein, pour pouvoir ouvrir les portes et ouvrir le cœur. La difficulté, c'est quand on a eu soit une histoire vraiment très dure, très douloureuse, soit une enfance difficile, c'est que là, l'idéalisation, elle va être d'autant plus forte qu'elle va venir compenser les malheurs du passé pour faire en sorte que enfin quelque chose puisse compenser ce qui n'a pas pu être vécu. Et c'est là que ça peut devenir risqué. La chute est d'autant plus dure si ça ne continue pas sur cette lancée-là. Frédéric Hédon, le témoignage de Christian, qu'est-ce qui vous inspire? Est-ce qu'on ne s'enferme pas parfois, pardon Christian, hein, mais c'est on, oui, la réflexion tous ensemble, est-ce qu'on ne s'enferme pas parfois dans des sortes de critères pour des personnes qu'on ne rencontrera peut-être jamais finalement? Là je crois qu'en l'occurrence, quand on a des critères trop précis sur la personne qu'on voudrait rencontrer, on diminue énormément les chances de la rencontrer pour de vrai. Or une rencontre amoureuse, c'est quelque chose qui fait part à la fantaisie, à l'ouverture à l'autre. À la surprise. À la surprise. Il faut qu'on soit capable de laisser l'autre nous surprendre et arriver. Bien sûr qu'on idéalise toujours la personne qu'on vient de rencontrer. Et c'est ce mécanisme idéalisant qui nous permet de nous intéresser vraiment à elle
Et d'ailleurs, par la suite, il faut qu'on accepte que cette personne dégringole un peu de son image parfaite, même si c'est un tout petit peu, un tout petit poil, quelque chose. Mais pour qu'elle redevienne une personne à part entière, et c'est là que, je vais le dire comme ça, c'est là que le vrai amour commence. C'est quand ça n'est plus seulement une projection de nos idéaux, mais quand on accepte l'autre et quand on se montre tel qu'on est. Parce que non seulement on idéalise l'autre, mais on donne une image idéale de soi Bien sûr. Au début. On n'est pas, souvent, on n'est pas complètement sincère. Et là, ce que j'ai envie de dire, c'est que peut-être, Christian, vous cherchez une personne qui a... Vous avez déjà une image bien précise. Enfin, une image, là, ce n'est pas une image physique. C'est des critères de caractère, plutôt, que vous cherchez. Et en même temps, j'ai le sentiment que peut-être vous-même, vous êtes dans un mode de protection, puisque vous n'étiez pas vraiment au courant qu'elle risquait de vous dire qu'on allait en rester là. Comme si vous n'aviez peut-être pas bien senti ce qui se passait entre elle et vous, et comme si vous étiez un peu vous-même sur la défensive dans les histoires amoureuses. Est-ce que vous êtes un peu sur la défensive, Christian ? Je suis assez réservé comme personne. C'est vrai que je me disais, ne va pas trop loin, elle laisse vraiment le temps faire les choses. D'accord, donc vous faisiez attention quand même. Oui. Mais néanmoins, vous vous êtes pris un coup. Oui. D'accord, ok. Est-ce que vous avez fait une sorte de travail sur vous aussi, Christian, justement ? Vous savez, c'est cette idée des échecs un peu à répétition. Ça, parfois, on a des histoires qu'on est en train de vivre qui sont un petit peu polluées par l'histoire précédente. Vous n'avez pas ce sentiment-là ? Pour répondre à la question sur le travail sur moi, ça fait plus de 6 ans que je suis suivi par une psychologue, psychothérapeute pour tenue de l'enfance et de l'adolescence. Eh oui, d'accord. Même si, effectivement, vous pensez que ça n'a pas d'impact sur votre vie amoureuse. Non. En tout cas, Christian, peut-être que parfois aussi, et ça je me tourne vers vous, Saverio Tomasella, on a parfois, vous savez, la façon dont on aborde une nouvelle histoire, on en a tellement bavé dans la précédente qu'on arrive en se disant, plus jamais ça ne me reprendra, je vais faire les choses différemment. Et en fait, c'est comme si on était toujours sous l'influence des histoires qu'on a vécues avant. Oui, dans ce cas-là, on serait dans un mode réactionnel où effectivement, avec la volonté, on déciderait de faire tout autrement. Ouais. Et ce tout autrement n'est pas autrement. C'est-à-dire que formellement, oui, peut-être que ça ressemble à autre chose, mais sur le fond, ça ne change pas la donne. Voilà, faut rebattre les cartes, faut repartir de zéro. Ça nécessite ce que vous appelez, Olivier, il y a un instant, Frédéric, et donc un grand nettoyage. Et oui, dans oui. un instant, monsieur, hors antenne, vous avez dit, faut faire comme une sorte de grand nettoyage. Oui, ouvrir oui, les fenêtres, oui, s'aérer ouvrir un les peu, fenêtres, se regarder dans un miroir. Chercher ce qu'il y a en nous. Oui. Chercher ce qu'il y a en nous qui génère certains des comportements d'autrui. Parce que c'est bien sûr que c'est la solution de facilité de dire il ne m'a pas compris, elle ne m'a pas écouté. Mais si les choses se reproduisent, et de toute façon, même si l'autre était très bien et qu'on était très bien, si ça s'est pas bien passé à ce point-là, c'est toujours intéressant. D'essayer de comprendre ce qui a pu se jouer entre les deux personnes, puisqu'une histoire de couple, c'est une histoire entre deux personnes, entre deux personnages au sens de deux êtres. Et donc, il se joue une interrelation qui n'est jamais la même entre moi et machin, entre moi et truc, entre moi et machin truc. Voilà. Et donc, si ça, à la fin de cette histoire, il faut quand même que j'essaie de comprendre ce qu'il a créé, ce qu'il a fait, mais ce que moi, j'ai fait aussi en interaction avec l'autre. Non pas pour se culpabiliser et s'auto-flageller, juste pour essayer de comprendre. À quelque chose, malheur est bon, disait ma grand-mère, à condition qu'on essaie de comprendre ce qui s'est passé. Très bien. Eh bien, dans un instant, on va voir effectivement essayer d'appliquer ce que disait votre grand-mère. On se retrouve tout de suite sur l'antenne d'RTL. Et puis, on embrasse évidemment Christian. On vous souhaite plein de bonnes choses, Christian. Merci, à bientôt sur RTL. Au revoir. À bientôt. RTL, première radio de France. Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Bravo Véronique qui nous écrit sur Facebook. Depuis 6 mois, je fais un travail sur moi-même afin d'avoir une nouvelle relation durable et sans trop de nuages. Je connais mes défauts. Jalouse, possessive, toujours besoin d'attention, d'affection, de preuves, manque de confiance en moi. À présent, je ferai confiance à 200%. Un travail de tous les jours, j'espère que cela paiera. Alors déjà, si je puis me permettre, Véronique, la confiance à 200%, on peut peut-être avancer aussi progressivement. On n'est pas obligé de tout donner... tout d'un coup, quand même, hein, Frédéric Hédon. Pardon, je veux surtout pas, Véronique, vous casser vos rêves, mais on peut peut-être rester confiant et avancer en même temps d'un pas mesuré.
Oui, c'est sûr. Hein? Mais là, je crois que c'est parce que j'ai pas confiance du tout. Mais bien sûr. Et je me rends compte qu'il faut que j'apprenne à faire confiance. Bien sûr. Je pense que c'est plus une façon de le dire. Évidemment. Véronique qui nous explique donc qu'elle se connaît, elle connaît ses défauts, donc ce qui est déjà bien, parce que l'idée de se connaître, c'est quand même, c'est le fruit d'une réflexion, d'essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné, c'est le fruit d'une réflexion. En même temps, elle nous explique que c'est un travail quotidien, donc ce travail aussi, on peut peut-être inviter nos auditeurs à le faire, mais quelles sont les conditions pour qu'on puisse à un moment donné aussi, Saverio Tomasella, se poser sur nos échecs passés? Mais ça demande beaucoup d'amour pour soi-même, c'est-à-dire que tant qu'on ne s'aime pas assez, on n'ose pas regarder ce qui a déconné, et donc on se dit, je fonce en avant, ou c'est la faute de l'autre, enfin, c'est une des deux parades les plus courantes, on se relance tête baissée dans une autre relation. Ça demande de l'amour pour soi, de la douceur envers soi-même, de la tendresse envers soi-même, pour regarder ce qui a foiré, ce qui s'est mal passé, et comme le disait Frédéric tout à l'heure, en tirer les bonnes leçons. Alors comment on fait, Frédéric? Pour soigner sa blessure. Ah oui, mais pour soigner sa blessure, bon, encore faut-il, c'est ce qu'on se disait, c'est repartir sur des histoires, sur des bases différentes. C'est un engagement aussi. C'est un travail sur soi, donc c'est faire montre de rigueur. Voilà. C'est une remise en question. Oui, mais on s'engage quelque part à penser différemment, on s'engage à agir différemment, on lutte contre certains réflexes que l'on peut avoir aussi. Oui, mais se remettre en question, ça fait peur en soi. Enfin, pas, se remettre en question dans le fond, ça fait peur en soi, parce qu'on a, ce que je disais tout à l'heure, hein, on a acquis une espèce d'autonomie, on a, je sais pas quoi, un métier, on se trouve pas trop moche, on a avancé dans la vie, on se dit que bon, on a quand même des qualités, à moins d'avoir vraiment une image catastrophique. Et c'est vrai que par exemple, une histoire qui se termine mal, c'est ça que ça vient toucher de plein fouet. Ce qu'on appelle le narcissisme, notre idée de nous-mêmes. Si quelqu'un nous quitte ou qu'une histoire oui, mais s'arrête. Quand on a toujours aimé un aventurier des aventuriers qui partent faire le tour du monde. Je dis n'importe quoi, mais voilà, c'est que, admettons que ce soit ça. Et qu'on se dit à un moment donné, tous les aventuriers qui passeront devant moi, je regarde pas, je touche pas, j'y vais pas, mais je vais préférer le sédentaire, hyper disponible. Et voilà, c'est quand même super compliqué. Non, je crois qu'on de lutter contre ces ça. Schémas. Si on est attiré vers les aventuriers, c'est soit parce qu'on veut pas se fixer, soit parce qu'on veut vivre une vie trépidante. Il y a des gens qui en sont contents, il y a des gens qui s'en plaignent pas. C'est à partir du moment où on en souffre qu'on va chercher à se remettre en question. Si on n'en souffre pas, il y a des gens qui n'aiment que les passions amoureuses. Et le ronron d'un amour stable, ça les fait intéresse peur. Pas. Ça, oui. Tant qu'ils n'en souffrent pas, ils n'ont pas de raison de se remettre en question s'ils sont bien comme ça. Il ne faut pas oublier que la remise en question, elle est toujours liée au fait qu'on a mal. Ah oui, parce que sinon, on ne va jamais aller farfouiller pour regarder ce qui ne va pas. Saverio Tomasella. Oui, je pense aussi que la volonté n'est pas très utile. C'est-à-dire que quand on fait un chemin sur soi-même, qu'on cherche, qu'on essaye de comprendre ce qui se passe, pourquoi on répète les mêmes choses, les mêmes chemins, etc., ce n'est pas en voulant changer qu'on change, c'est plutôt en se laissant transformé par ce qu'on est en train de découvrir, de comprendre, se laissant surprendre aussi par des personnes différentes. Ça, je ne sais pas se dire plus jamais d'aventurier, mais parfois c'est simplement regarder un tout petit peu. Je ne sais pas pourquoi on est parti sur Indiana Jones là tout à coup, avec son chapeau et ses dents de crocodile. Bah oui, je ne sais pas pourquoi. Mais on peut regarder d'autres types de personnes aussi. Oui. C'est pas la volonté, c'est plus on ouvre son regard, son horizon. Quelque chose de simple va se transformer. C'est aussi plus se permettre d'être soi-même. Et de ne pas se cantonner à l'amoureuse d'aventurier, mais être quelqu'un qui est ouvert aux autres et qui est moins fermé, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Très bien, quelque chose comme ça, ce sera le mot de la fin de Frédéric Hédon. Merci Flavie. On va se retrouver dans un instant sur l'antenne d'RTL. Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Si vous souhaitez aller plus loin encore dans nos échanges d'aujourd'hui, je vous conseille les ouvrages de nos invités. Saverio Tomasella, Les relations fusionnelles et Hypersensible, votre dernier ouvrage chez Erol, Trop sensible pour être heureux. Oh, c'est mignon. Je vous embrasse, merci beaucoup Saverio d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup Frédéric Hédon. Rebondir après un chagrin d'amour aux éditions Larousse, ça aussi c'est pour vous si vous êtes en souffrance amoureuse. Merci Frédéric, à bientôt sur RTL. Bientôt Flavie. Demain dès 15h, on va s'intéresser à ce qui unit ou désunit une mère et sa fille, un lien profond, toujours fort, complexe, entre transmission et concurrence. Oh là là, Frédéric Hédon qui dit « Ouh, sujet !» Ce sera demain à 15h en direct avec vous sur RTL. Tout de suite, voici Laurent Ruquier, Les Grosses Têtes. Moi, je vous embrasse. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous dis à demain.